On va tourner bientôt à Lille, le 18 novembre, le lendemain. Oh, quel voyage! On est à Reims, c'est le 19, le 20 à Strasbourg, le 23 à Paris, c'est important, à la Cigale très précisément. Et puis un peu plus tard, retour aux sources pour eux, le 8 décembre, Rennes, à l'occasion d'événements qui s'appellent les Transmusicales. J'ai tout dit, sauf que c'est le groupe Marc Seberg que vous connaissez, Jeux de Lumière, Marc Seberg. Les contours de son corps, à contre-cœur sans décor, aux premières heures de l'aurore. Il la voit s'élever fragile, et il la devine, jeune ballerine. La regarde s'étirer féline, et s'élancer dans le prisme irréel. Des jeux de lumière, qui est-elle? Les yeux du mystère, une suite de gestes lents, dans l'air chauffé à blanc, une suite de gestes brefs, révèle d'autres facettes, comme la danse des perles de rosée, sur les fils d'une toile d'araignée, et s'il laisse passer un court instant, l'étoile de mer en argent, dans les jeux de lumière, elle se voit. Dans le jeu de lumière se dévoile, dans le jeu de lumière, ses autres chants, si à voix brise, en petit pas sournois, elle se dérobe, puis s'abandonne, furtive à ses caresses, un sourire sur les lèvres. Dans la fièvre du jour, regarde comme le ciel est changeant, un arc-en-ciel de sentiments, et quand il devient menaçant, comme il effraie l'enfant, irréel. Dans les jeux de lumière, où est-elle? Dans les yeux du mystère, il l'a suivi longtemps des yeux. Espérant quelque pas de Dieu. Dehors le temps était plus vieux au moins un siècle ou deux. Dans les jeux de lumière, elle se voit. Dans les jeux de lumière, se dévoile. Dans les jeux de lumière, ses autres chants. Si à la glisse, en petit pas sournois. Merci beaucoup, merci Marc Seberg, merci infiniment. Je vous ai dit à vous tous où vous pourriez aller les voir dans les mois qui viennent. Tournée qui se prépare donc en novembre. Voilà, c'est la raison pour laquelle ils sont passés chez nous pour que vous puissiez vous familiariser.